Salut. Oui, Louis Cloud. Tu fais des missions sympathiques. Pas très longues, 5-6 minutes, le tour d'un morceau. En sortie de répète, celui-là est un peu long hein, qu'on va proposer aujourd'hui. Oui. Donc, Where Eagles Dare de Iron Maiden, le Piece of Mind, sorti en 83. Excellent album. Je le conseille à tout le monde. Oui. Parce qu'après 86, c'était bien. Difficile, Maiden. Ouais. Mais avant, c'était très bien. Bah, jusqu'au live, Powers Live, pour moi. Ouais, Live After Death, c'était très bien. Après, chacun a fait comme il veut. Ce Mind Tape, c'était bien aussi. Ouais, avec du recul, ça va encore. Il connaît tous les morceaux. Mais bon, c'est une période où on a connu Maiden, après on était dans l'hard rock, après il y a eu plein d'autres trucs. Ouais, donc Metallica et tout le bordel. Il y a eu un peu de death metal, il y a eu un peu pas mal de choses. Hein. Ouais. Donc après on a le cerf tombé côté Maiden, mais en fait c'est un bon groupe, c'est clair. Carrément. Oui, oui, oui. Bon, du coup je lance le morceau. Allez, c'est parti. Ah non, mais moi j'allais arriver, je rentre de vacances apparemment. Parce que justement, c'est ce qu'on disait la dernière fois, justement sur Twisted et tout ça, c'est que effectivement les textes, moi c'était vraiment après quoi. Moi c'est l'énergie. Ça t'intéresse pas les textes. C'est pas grave. Oui, voilà, c'était pas très grave. Et nos textes à nous par exemple. Ah si, un peu plus. Je m'intéresse un peu plus. Oui, quand même. On en parlera. Je prends une prochaine émission, on parlera de nos textes. On fera une spéciale texte. Spéciale texte, c'est intéressant, tiens. Donc à noter, une prochaine émission. Bon, de quoi ça parle? Bon. De quoi ça parle? Ça parle des. Où les aigles nichent en fait, où se cachent, nichent. En fait, c'est par rapport à la guerre 45. C'est les avions en fait. C'est des codes. Ah, oui, c'est pour ça que dans le morceau, à un moment, vous allez entendre, peut-être pop, vu qu'on peut-être parler dessus, on entend des mitraillettes. Oui, c'est vrai. C'est pour ah, ça. D'accord, je savais pas ça. C'était, okay. Je crois que c'est par rapport à la Royal Force en plus, que par rapport aux Allemands. Voilà, c'est tout. Mais c'est marrant, ouais. Je me suis jamais trop intéressé au texte de Maiden. Non, bah, pareil. L'énergie. Ah, ils sont beaux, hein. Ouais, ils sont bien travaillés. Alors, Big Rainer, mais le texte est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Le mec, il va se faire exécuter, c'est énorme. Ouais. Et bon, c'était à l'époque, on avait 10 ans. Quoi. Ouais. Tu avais 10 ans. Bah, le Fred aussi. Après, c'est quand même plus jeune de la bande. Killer, c'est tout, c'est bien. Hein. Il y a des textes sur des. En fait, c'est des tueurs en série, etc. Il y a vraiment des belles histoires. Un truc sur la prostituée aussi, en deux épisodes, avec 22 Chalino et Richard Garlot. Sur le premier album, absolument. Intéressant, sur la rue de Londres et tout, c'est intéressant. Ouais. Paul Diano aussi, c'était bien à l'époque. Ouais. Bon, en tout cas, on va reconcentrer un petit peu sur ce morceau. La musicalité. Le morceau, cet album, parce que du coup, il y a plein de choses à dire. Et le morceau, c'est vrai qu'il est long, le morceau, mais on n'aura peut-être pas tout. Bref. Et là, on va bientôt entendre les mitraillettes. Hein. Ah, mortel. Quand même. Ouais. Bon, ils ont toujours eu des sacrés covers. Ouais. Et franchement, les pochettes de Maiden, c'est quand même. Et on cherchait toujours le petit symbole dans les pochettes, le petit truc. De toute façon, Eddie est l'icône. C'est la plus belle pochette. Pour moi, c'est la plus belle de Maiden. Ouais, c'est vraiment fine. Il y a vraiment du coton en fait, là, chez Capitonné. Quand t'arrives à toucher, c'est un peu. Après, Eddie, c'est énorme. Moi, je les aime toutes, je suis pas objectif. Ah, moi, j'aime toutes les pochettes aussi. Il avait plus de cheveux, Eddie. Du coup, rasé avec un nudiste là, c'était excellent. Et maintenant, là, ce qui est bien, c'est vu qu'ils sont trois guitaristes, vu qu'ils ont gardé les guitaristes. Oui, c'est ça. Donc, tout en concert, t'as les harmonies de guitare. Il n'y avait pas, avant, ils étaient que deux. Ouais. C'était bien aussi. Ouais. Maintenant, vu qu'ils sont trois, vu qu'ils l'ont gardé, ce qui est vachement cool, ils ont repris Adrian Smith. Heureusement que c'est sympa, parce que moi, à leur place, je sais pas ce que j'aurais fait, je les connais pas. Et du coup, à trois guitares, ça le fait. Ouais. Écoute, carrément, ça ressemble plus aux albums. Quoi. C'est sûr. Ils mettent pas de bande. Non, c'est sûr. Même si, quand on les a vus au Hellfest... Mais on n'était pas bien placés. C'était les morceaux qu'on ne connaissait pas aussi. Ouais, aussi pareil, c'était des albums qu'on ne connaît pas. Ils ont commencé par des trucs... C'est vrai que c'est important. C'est un peu un mythe quand même quand je les ai vus. Après, musicalement, ce qu'on disait la dernière fois, quand on parlait d'eux, c'est qu'on les reconnaît direct. Les solos, c'est super beau. On reconnaît tout de suite que c'est les solos de Maiden, les super guitaristes.
Et Buzzy Gibson, c'est quand même quelqu'un. Quoi. Ah ouais, ouais, faut dire que c'est quand même quelqu'un. Ouais, c'est un personnage. Tout ce qu'il fait, charismatique. Ouais. Puis encore dans le groupe, il est encore hyper dynamique, il y a eu des problèmes de santé, il est tout retombé vraiment bien. Là, et c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un qui a un respect. Ah ouais, grand respect. Après, Paul Di'Anno, c'était quand même sympa parce qu'il y avait. C'était plus punk. Il y avait la touch, mais c'était plus punk. Ouais, mais il était renvoyé qui était un peu au taquet, moi je pense, niveau technique. Ouais, mais moi j'avais tout acheté une paire de rééditions d'albums où il y avait des vidéos, tu sais. Et j'ai chanté un truc de Killers, sur le Killers, où il y a rien avec Paul Di'Anno, mais il ne connaît pas les textes. Ouais. Ah, il dit n'importe quoi, il a un peu trop bu, peut-être certainement. Donc, du coup, c'est Sylvain qui est derrière qui chante à sa place, mais bon, c'est difficile. Après, il faut séparer. Ouais, mais c'était peut-être exceptionnel. Tu t'as pris un concert comme ça. S'ils l'ont mis sur le CD, c'est que c'était pour montrer qu'ils ont. C'est peut-être pour juste décrédibiliser aussi un maximum Paul Di'Anno, j'en sais rien. Je sais pas si c'était vraiment une manœuvre. C'est un collecteur. Après, c'est de l'archive. Ouais, c'est de l'archive. Ça fait partie de l'histoire du groupe. En tout cas, c'était bien. Les solos et tout, les pochettes, tout est soigné en fait. Ouais, complètement. Ouais. En plus, Et techniquement, il a apporté quelque chose, Dickinson, il n'y a rien à dire. Il s'est mis au niveau en fait des Icos. Donc là, il y avait vraiment une osmose. J'ai trouvé vraiment mûr ce groupe quand Dickinson est arrivé. Et il voit la maturité. Il y a un truc important aussi qui est super, super. Tous les albums ont vraiment leur identité, quoi. Là, on va dire cet album-là a vraiment son grain, comme tous les autres albums de Maiden. Bon, on reviendra sur Maiden certainement sur d'autres titres. En tout cas, le morceau se termine, je suis désolé, mais là on va devoir arrêter. Il y a matière à raconter. À la prochaine fois, et c'est vrai que c'est passionnant de parler de Maiden. Allez, ciao. Salut.